Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo sur Alien Isolation. On continue la partie. On évite les trucs d'électricité, j'ai mal, j'ai peur. Oh, un plan, la camelotte, la camelotte. Schéma. Le schéma c'était pas là, c'était. Ah, schéma, schéma, schéma. Je peux faire maintenant des medikits. Ce qui peut aider. Ok, pour fabriquer. Et j'ai un petit peu de tout. On va fabriquer un medikit. Voilà. C'est déjà bien. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais je pense que d'ici quelques temps, à force de prendre des baffes. Qu'est-ce qui s'est passé C'est joli! C'est une belle planète, c'est beau! Je vois que dalle! C'est sombre! Porte fermée. USS Nostromo. J'ai veux en savoir plus sur ma maman. J'ai pas vu le film, je sais pas ce qui lui est arrivé. C'est fermé, c'est fermé. Alors. On peut passer par le truc. On va prendre les escaliers là. Cours, 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 cours. C'est beau. En tout cas, l'ambiance est là. Hein. Il se passe pas grand-chose. Mais on peut se faire attaquer à tout moment. Oh mon Dieu! Ah mais ça! Vous me voyez? Les copains! Je suis là! Je suis là! Verlaine! Alors si elle te voit à travers la fenêtre, contactez le Dorens. Non! Il ferme les volets! Non! Oh, ce jeu est bugué. Je suis surpris. Attendez pas à ça. Alors, on va continuer doucement, mais sûrement. Peupert? Non. Oh ouais, trop bien. Ça vous dit une petite partie? J'y suis tout seul, mais bon. Allez. On bourrine. Oh, une bande d'arcade! Ouais! Mais j'y vais! Oh putain, on peut activer une borne d'arcade et on peut pas y jouer, c'est de la merde. Celui-là on peut jouer? Je suis déçu. Je suis déçu! Je voulais jouer. Attends, un vaisseau avec des bornes d'arcade, moi c'est bonheur quoi. Je m'inscris, hein, même s'il y a un alien. Hein. Popout! Bonjour! Mmh, la lumière! Je vais mettre un casque T3 là. Pour se protéger. Ça doit pas être un schéma, ça, pour fabriquer des trucs. Aux rumeurs qui circulent au sein de Sébastopol. Au lieu de fournir les explications escomptées, Waits est resté évasif. Quelques minutes à peine, on Computer. Que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent, Waits et ce qui reste de son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ok, donc là, il n'y a rien de très intéressant. On va refaire une petite sauvegarde. C'est toujours bon de sauvegarder régulièrement. Surtout dans ce genre de jeu. Ah, j'ai peur! Non, ça va. Par contre, on peut pas le réutiliser tout de suite. Donc il faut vraiment choisir quand sauvegarder. On pourra le réutiliser plus tard, bien sûr, mais pas tout de suite. Ce qui donne encore une petite couche en plus de stress. Alors si cela vous intéresse, vous pouvez regarder la chaîne Twitch de Spectrouille030 où il va également faire des lives. Il va faire des lives sur Alien Isolation. Ce qui peut être assez rigolo. Comme ça vous verrez ma réaction et la sienne dans, pour le même jeu.
Sachant que lui, il est du genre à se frustrer très rapidement sur ce genre de jeu. Donc j'essaie de regarder sa version aussi. Alors non. Mais tout est en train de partir en couille. Tu peux pas passer au-dessus. T'es obligé de passer par ce genre de conneries, hein. Non. Utiliser. Ah, ouh, je pensais que t'allais la mettre en marche. Attention, ça rigole plus, sinon. On peut pas se servir de ce petit bout de papier, là, pour faire crafter des trucs. Non, comme là, c'est mieux. Et la lumière. Non, elle n'est point là. Ah, pour l'instant, je fais le kéké, hein, mais c'est parce que je sais que l'alien n'est pas encore... Ben, ici, il est là, mais il n'est pas encore... introduit. Puisqu'il y a un succès, une fois qu'il est introduit, qui s'appelle la traque commence. Bien sûr. Waouh! Des gens! Ah putain, par contre, le casque, ça fout bien le. Fout bien les pêche-toches. On va essayer de pas gueuler hein, quand on verra l'alien ou des trucs comme ça. Pour l'instant, je fais le kéké, mais. Après, on va bien voir. Putain, mais y'a pas de matos, y'a que dalle. Y'a rien ici, c'est de la merde. Vaisseau de merde. Donc, une porte fermée. Oh, belle ambiance. Je marche sur des choses moues. Si je marche sur tous les cadavres, ça donne un trophée ou pas? Non. Vas-y. J'ai trouvé le dernier joint. Il est en manque. Ah, j'ai oublié cela. Donc, il y a trois portes ouvertes. On va regarder en haut s'il n'y a pas autre chose non plus. Que dalle. On va redescendre. Ça marche. Alors, quand j'ai dit le jeu est très sombre. Ça doit sûrement être la sortie. Ah ouais, manque de peau, je n'ai pas le matos. Ça, j'ai déjà ouvert, allumé. Donc, il y a une porte là-bas, une porte là-bas. On va commencer par celle-là. C'est amoureux toi. Un alien. Alors, il paraît que dans le live, j'avais vu l'alien à un moment. Il m'était pas rendu compte. Bon, du coup, j'ai foncé dans le tas. Peur de rien, le mec. Mais je n'ai peur de rien. L'alien peut me bouffer, là, je m'en branle. De toute façon, je sais très bien que je vais claquer une dizaine de fois. Encore une dizaine, mais... rajouter peut-être un zéro. Ou deux. Donc... alors j'ai le code de tout à l'heure, hein. Au final je crois que je n'ai pas trouvé la... ou je n'ai pas forcément bien cherché non plus. Le truc. Yeah. Je vois que dalle, mais je garde mes fumigènes pour plus tard. Parce qu'il y aura des zones très très sombres. La camelote. Du matos. Ok. J'aime allumer la lumière pour rien. Ok, donc j'allume la lumière ici. On va revenir plus sur nos pas, parce qu'il y avait une deuxième porte. Oh, c'est certain qu'il y aura le coup de pute. Ah, bah, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de deuxième. Saloperie, putain. Non, je n'ai pas stressé. C'est faux. Prouvez-le. Ouais, j'ai ouvert cette porte. Coucou! Les copains? Oui, les matos! Maintenir pour se cacher! J'ai peur! Donc on peut reculer. Ah oui, on peut reculer. Tu ne m'auras pas. Tu... vas-y! Chope-moi, essaie de me choper! Je vais faire ça quand elle est là. Je vais esquiver comme ça. Je vais coller une droite. Ça va l'assommer, je vais me barrer. Pas sous-estimer la puissance d'une bonne droite dans la tronche. Alien ou non. Ici Turner, j'ai encore dû m'occuper de cet abruti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un cric de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici, il veut s'y enfermer. Il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de babysitter des poireaux. Ah bon. C'est du café. Il y a une tasse à côté. Laisse ce connard cuver. Pas sûr. Ah, c'est rigolo d'avoir du...
Non. C'est de l'eau ou c'est de la bave? Je crois que c'est de l'eau. Ce qui est aussi la fameuse bave de l'alien qui te dit trop tard. Bouboule. Bon là c'est vrai que je vais peut-être un peu vite. On va peut-être pas allumer la lumière. La lumière, la musique. On va peut-être éviter d'allumer la musique tout de suite, hein, s'il y a de l'alien. Mais ça peut être rigolo. Un jour peut-être. En même temps là on peut encore s'amuser à mettre du son. De toute façon un truc que je vais faire, c'est qu'il y a aussi des humains qui sont casse-couilles qu'on peut buter. Enfin, qu'on doit certainement buter. Et dur. Oh, merci pour l'outil. Lâche, lâche. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Tu peux le taper avec? Tu peux le taper avec? Non. Ferme ses yeux quand même, sois un petit peu humaine. Le pauvre. Alors ça c'est là que je viens. On va ouvrir ça quand même. Moi ça va. Je suis pas trop pour le moment. Alors, ce qui permet d'ouvrir ceci. Je m'entretiens Aist. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Aist. Écoute, si t'as pas envie de me dire ton nom, on va être là pour un bon bout de temps. Je veux juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. J'ai ouvert ça. Petite partie d'échec, ça vous dit? Non. Je prends une canette et je balance sur la tronche des ennemis. On va sauvegarder un petit peu. Voilà. S'il suffisait de faire ça pour survivre. Coucou! Allez, le moment est venu d'enclencher la cinématique et la fin de ce niveau. C'est à moi, connard. Où est Ripley? Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal, ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Un xénomorphe. Tu comprends? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Bah, une place dans mon vaisseau, connard. Sur le vaisseau. Bah voilà, bidon. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Maintenant, t'as pas trop le choix. Alors là, c'est ton jour de chance. Eh bien, coucou.
Sixon Communications se trouve dans la tour systémique. C'est une poupée qui fait non. C'est pas la porte à côté. Mais on là, l'humour. On par la zone de fret. Mais fais gaffe. On tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Mais je te suis. Vas-y. Montre-moi chemin. Bon, d'accord. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. On s'en branle. Moi, je l'ai pas vu encore, cette chose. C'était toi qui me suivais, là ? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Je te suis, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez là-bas, là où c'est sombre. J'aime quand c'est sombre. N'aie peur de rien. T'es du genre curieuse, c'est ça ? C'est ça. Reste à côté de moi. Quoi ? Non, je vais utiliser une fois un fumigène. Ok, d'accord. Bon, peut-être pas. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous ? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jana. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider ? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jana, tirons-nous d'ici, ok ? Je suis désolée. Bonne chance. Moi, je veux voir ce qu'il y a là. Je vais peut-être cramer un fumigène pour rien, mais... Je peux savoir à quoi il y avait que dalle, en fait. Pourquoi tu leur aboies dessus ? Tout le monde avec vous. Les personnes se font confiance. Et plus sûr comme ça. Ok, j'ai cramé un fumigène pour rien. Non, arrête la Camelot ! Je vais tourner par là. Je vais être mal vu par terre. Je vais trouver un fusil à pompe ou quelque chose. Non. Évidemment. J'arrive. Le but, c'est pas de pas se faire repérer. Vous voyez la petite lumière, là ? C'est la discrétion assurée. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Vas-y. Tu permets ? C'est un vieux machin pour un doigté spécial. On va faire à la Jurassic Park devant l'alien. Son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Wow ! Vas-y, va chercher. Appuie sur le bouton. Boum. Voilà. Comme ça, l'alien va courir chercher le bâton. Ce serait fun, non ? Je prends le... J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retourne sur le vaisseau, on pourra se détendre. Je vais taper, attention. Bim, bim. Ouais. Bim. Quand on sera sur le mauvais vaisseau. Bim. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr, il nous chope un par un. Tu me parles de quoi ? Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non, c'est autre chose. Un monstre. Vas-y. Il est là ! Non, pas encore. Bientôt. Donc là, on sait que l'alien est proche. Merde. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue. Il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps ? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein ? Bah, on leur tire dessus. Maintenant, ferme-la. T'es en train de me faire flipper. J'ai l'impression qu'on attend sagement que la mort vienne nous chercher. C'est un peu ça. Mais la mort ne viendra peut-être pas d'eux. Suis-moi. J'y arrive. Vas-y. Je te suis. Des amis à toi ? Je suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller, leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. Ouais. Je vais les défoncer. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement sérieux. J'avais remarqué.
Moi ça va, j'ai pas peur. Alors. C'est là-dedans que tu vis ? Du Matheus. Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. T'auras peut-être pas d'autre occasion de le faire par ici. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait ici en fait. Ça va faire une semaine que je me tire ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être vous que j'attendais. Alors, petit jeu de cartes, ça te dit ? Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. La lampe torche. Une lampe bien stylée. Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. La batterie. Voilà. Maintenant c'est rechargé. Non mais avant de partir, je fais une petite sauvegarde, on sait jamais, je vais pas me faire bouffer. Ça c'est fait, suivant. C'est par là. Et maintenant ? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. J'ai laissé une marque dessus pour pas l'oublier. Et si tu jetais un œil dans le fond ? Merde, mauvais bouton. Donc t'auras pas trouvé le conduit. Tant pis. On va économiser. La lampe torche. Prends des piles. Tout est bon pour récupérer le plus de piles possible et les économiser. Parce que les piles des lampes torches sont assez impressionnantes. À quel point ça, pas... ça se part vite. C'est même limite bien exagéré quoi. Alors. Une lampe, voilà, une pile encore. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Viens mon coco, il y avait un truc par là, ici, là. Axel, c'est ça ? Bon, après, je pense que le fumigène attire l'alien vu qu'il fait un peu de bruit. Parce que l'alien nous entend, nous voit et nous sent aussi. Vas-y, ouvre. Je te suis. N'aie peur de rien. Ouvre. C'est pas très prudent de s'attarder ici. T'as raison. Déjà pas très prudent d'aller dans ce genre de tuyau, hein, de base. C'est comme ça que se déplacent ceux qui vont rester en l'air. Ce qui n'est pas vraiment toujours le cas. C'est le Torrens tombé sur le vaisseau. Elle en a pu. J'aimerais bien enlever cette saloperie en fait. Ouais, je comprends, ce sera fait. Mais méchant. Soigne les autres, il y a un truc qui merde. Il y a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de le mettre en pétard. Je vais le défoncer avec mon fumigène. Waouh! T'es trop fort. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi à passer à travers ça. La vache. On sauvegarde. J'ai peur de rien. Tu veux aller là-bas? Moi, je vais de l'autre côté. Un ascenseur. On va peut-être pas se barrer dans l'ascenseur tout de suite, hein, vu qu'il demande de le suivre. D'accord, je n'aimerais pas ce truc. Je suis là. Qu'est-ce que je dois faire ? Vas-y. Attends. D'accord, je t'attends. C'est trop, c'était là ma première mort. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Générateur, si tombé.
j'y vais. Tu feras forcément moins de bruit. Super. Merci, connard. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi? Pourquoi? Tu te serais pas un peu servi, non? Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Ça sent pas bon. Ou c'est l'alien qui avait envie de bouffer ça, quoi. Et le verrou que Joe a installé? J'en reviens, justement. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui? C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire... Hop. Le casse, salut, petit loup. Voilà. On va attendre qu'il se barre. Tout le monde avec moi. Attends. Eux. Voilà. Direct, tout fonctionne. Comment tu peux le savoir, Einstein? Si le générateur avait pété. Tiens, il m'a poussé. Bah, en tout cas, là, il marche pas. C'est peut-être la sécurité. C'est peut-être un rat. Ça se passe. Pas de bruit. Ils sont encore dans le coin. Ouais, bah, je sais, ils sont juste à côté. Donc j'étais mort comme une merde parce que j'avais pas vu qu'il y avait le conduit par terre. Lors du live. En même temps, quand on est mauvais, on est mauvais. Pas de la camelote là? On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça, hein? Non. Bon, bah j'imagine qu'il faut y aller, hein, vu que tu me suis pas. On va aller à la droite. Je suis même pas censé être ici, tu sais. Mais c'est. La sortie date d'il y a une semaine. Il y a rien de céréal. Ouh, 26 rouleaux de papier cul, c'est bon. C'est le principal. On peut vivre ici pendant un petit moment. Ah, la chocolat. Attention. Elle a plus de jus. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Okay. Ça marche, j'y vais. En courant, parce que je n'ai point peur. Prête. À 3. 1, 2, 3. Oh non, il y a un méchant derrière toi. Je vais te sauver, mon pote. Et de gauche, tiens, crève, connard. Pourquoi tu tirais? Tu vas attirer l'alien. Ces potes seront là d'une minute à l'autre. Faut qu'on se casse, maintenant. Hé, hey, bande de bâtards. Ah, je te suis. Il y a de l'action. Oh non. Ce type. Les petites chaînes. C'est moi qui l'allais tuer. Comme le premier alien. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la voix d'Alan Grant dans Jurassic Park en plus, je crois. T'as entendu? J'entends quelque chose. Moi aussi. Axel. J'en ai sur moi. Maintenant, l'alien est inclus dans le jeu. Donc logiquement, à partir de maintenant, on peut se faire bouffer par l'alien. Faut pas que je m'arrête. Alors, on va
on entend bien le bruit en plus de... le déplacement de l'alien. Bon, logiquement faut passer par là. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose que je ne vois pas? On entend bien le bruit, n'empêche. Je vais revenir sur mes pas. Alors la première fois je m'étais aussi planté ici, je savais plus où il fallait aller. Ah oui, bah voilà, le fameux ascenseur. C'est là que mon pote est mort pour la première fois. Mais du coup, c'est logique. Parce que maintenant, l'alien est inclus dans le jeu. Donc, logiquement, on peut crever là. Oui, non, je suis pas surpris au final. Parce que l'alien est inclus dans le jeu. On l'entend en plus dans les couloirs. Il peut arriver. Alien peut arriver à partir de maintenant. Ce serait tellement stylé de le voir et de conclure la vidéo là-dessus. Plus le... Non, la musique n'est pas du tout flippante. Tiens, ouvre-toi. Toi. Casse-sauce de là. Voilà. Non, non, je suis pas surpris. Donc on peut mourir là. Là, il est pas venu me voir. Mais c'est possible qu'ils viennent, donc c'est vrai. En fonction du type de joueur, mais également l'ordinateur fait ce qu'il veut. Hein. L'IA fait un peu ce qu'il veut, il peut venir nous voir facilement. En même temps, il était tout proche, donc c'est pas étonnant que l'alien ne vienne ici. Bon, et bien c'est ici que je vais terminer cette seconde vidéo sur Alien Isolation. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de ce jeu. Salut tout le monde!